Voilà, donc là, bon, on est en train d'entendre tout ce que je dis. Je suis en train de vous présenter la page d'accueil d'un compte Facebook quand on n'est pas connecté. Pour créer un compte Facebook, il faut passer le prénom, le nom, le numéro de téléphone ou le mobile et un mot de passe. Vous devez renseigner votre date de naissance et évidemment vérifier que l'année fasse en sorte que vous soyez majeur, sinon vous serez refusé. Ensuite, vous devez renseigner sexe, homme, personnalisé, ça m'échappe, mais l'un ou l'autre, en fait. Et puis, on clique sur inscription. Une fois que vous êtes inscrit, vous devez créer un compte. Autant qu'il percute, j'arrive ici sur un compte déjà existant. Vous devrez ajouter une photo de profil. Cette photo de profil, vous faites en sorte d'enlever des informations. Comme ça, ça vous donnera une bonne image de marque. Là, le but du jeu de la démonstration, c'est qu'on n'aura pas une page pro, d'accord? Ensuite, cette photo de profil, on essaye de la faire assez près parce que vous voyez, la photo de profil, elle apparaît ici. Et quand vous répondez à des gens, c'est cette personne-là qui répond. Donc, c'est pas la peine de mettre une photo de profil où vous êtes au milieu de la forêt. On verra que des arbres, on ne vous verra pas, vous, ici. Donc, c'est important que ça soit assez proche. Là, vous avez l'impression que c'est énorme. Et vous voyez, quand vous communiquez avec les gens, en fait, c'est tout petit ici. On fait en sorte d'avoir une image de bannière. On essaye d'avoir de l'humain et on essaye d'éviter de cadrer les informations les plus importantes. En moyenne, c'est un tiers, deux tiers. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on fait en sorte de mettre, si c'est pour le travail, un vrai prénom et un vrai nom, parce qu'on va s'en servir pour la e-notoriété. On va rajouter un surnom et on va rajouter autant d'informations qu'il est possible de faire par rapport au métier que vous faites, c'est-à-dire l'emploi quand ça vous sert, le lieu où vous travaillez, les informations générales, le téléphone, l'adresse, l'email, et vous pouvez dire si c'est public ou pas en modifiant, vous voyez ici, là c'est privé et là c'est public. Donc ça se gère sur chaque information qu'il y a ici. Ici, j'ai mis public, ici, j'ai mis privé pour l'année. Bien, on a l'onglet famille et relations, on va éviter de mettre trop d'informations ici et ça vous permettra de respecter votre vie privée. Détails sur vous, on peut mettre un espèce de résumé sur ce que vous êtes, ok, et ici, rajouter un pseudo parce que le pseudo qui est ici va vous aider pour votre référencement dans la page si les gens vous cherchent. Donc, si les gens ne connaissent pas mon nom, mais s'ils tapent consultant formateur web, ils vont me trouver. Vous voyez dans la liste, donc j'ai tapé ça, et vous voyez que consultant, et merde, j'apparais pas. Ah si. Ah bon, si j'apparais, sinon c'est bizarre. Voilà, on apparaît dans la liste grâce à ça. On peut apparaître aussi en tant que personne. Vous voyez, donc quand on recherche des personnes, parce que là c'était une surpublication, donc on apparaît ici. Donc là, sur l'ensemble de la France, j'apparais en deuxième, bon, je connais pire, en référencement. Ensuite, quand je clique ici, j'arrive sur mon mur. Sur mon mur, je peux écrire ce que je veux. Je peux ajouter des photos qui proviennent de mon ordinateur. Ok. Je peux rajouter des vidéos en direct. Donc, si je clique sur vidéo en direct, ça va filmer. Voilà. Ça va filmer la vidéo. Et vous pouvez la diffuser à titre privé ou public. Voilà. On peut encore ajouter des photos supplémentaires, donc faire une galerie, identifier les personnes avec qui vous êtes, dire où la photo a été prise géographiquement, c'est automatique sur un téléphone, on peut l'enlever, rajouter des gifs animés pour faire une présentation pour une entreprise, et tout ce qui est jeu, etc., je passe. Photo, identifier des amis. Hop. Évidemment, on fait en sorte que ça soit public.
la partie à propos, si vous l'avez remplie, elle apparaît là, et ça permet de donner à vos visiteurs, dire qui vous êtes pour le travail. Quand vous faites des photos, on peut mettre des photos en avant, puis on essaye de mettre des photos qui sont visibles et bon esprit, en fait, qui ne sont pas négatifs. Et ça, c'est la liste des photos qui ont été prises dans l'histoire de vos posts. Les posts qui sont ici, votre histoire, vous pouvez la mettre en vue grille. Et ce qui vous permet évidemment d'aller un peu plus loin dans l'historique, plus facilement si vous recherchez quelque chose par rapport à ce que vous avez écrit. On peut évidemment, si je retourne ici, supprimer un post parce que vous êtes trompé. Je clique ici, et là si je clique sur modifier, je peux changer les fautes d'orthographe si j'en ai fait, supprimer une photo ou en rajouter une. Je peux dire, ah, je l'ai mis public, je me suis trompé, ben, je le mets que pour mes amis. Une fois que tout ça est fait, ça servira bien pour, en fait, asseoir votre notoriété. Les gens vont aller sur à propos pour savoir qui vous êtes. Ici, vous allez intégrer la liste d'amis comme la notion de newsletter pour pouvoir discuter. Les newsletters, on a un peu moins de retour sur investissement, alors que là, on a un bel retour sur investissement. Vous avez ici la liste de vos photos et l'histoire et l'archive de votre travail ici. Donc à faire attention aux photos, qu'elles soient correctes. Parce qu'elles peuvent être exploitées. Ensuite, si je veux accéder à ma page pro, je clique ici et je clique sur la page que je veux gérer. Si jamais j'en ai pas, je tape ici juste après facebook.com. Vous voyez ? Je me mets là, je vire tout ça, donc j'ai juste facebook.com et je tape page au singulier. Ici, j'arrive sur cette interface et je clique sur créer une page. Créer une page, donc je vais donner le nom de la page, la catégorie. Je fais continuer et ben on va aller ensemble sur une page réalisée, puis je vais vous montrer où est-ce que ça apparaît. Je vais là. Ma page, donc le nom que j'ai indiqué, c'est ce nom là, c'est ce que vous voyez ici là. Donc en fait, on pense référencement quand on met un nom. Donc moi j'ai mis mon entreprise et vous avez vu, j'ai mis comme mot clé formateur web. Ce qui fait que si je mets juste formateur web ici, hop, je vire ça, et ben j'ai probablement des chances d'être bien placé dans le référencement. Vous voyez, j'ai pas mis flash comet, j'ai mis que formateur web. Donc, pour être visible, bah, pensez à mettre votre métier en plus de votre entreprise si jamais vous avez un nom. D'accord ? Ça fait que ça vous permet d'être bien positionné quand les gens recherchent. Ce principe est le même sur Twitter, Facebook, sur Instagram, etc., etc. Instagram et LinkedIn, en fonction des métiers que vous choisissez. Je clique ici. Quand on crée une page pro, la première chose à faire, c'est mettre une image et une bannière. Donc là, je vous laisse libre cours pour mettre des images qui correspondent au thème, pas trop humoristiques, on est dans le travail, et une image libre de droit. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, il y a ce petit arrobase à remplir. C'est ce qui va vous identifier, c'est votre tag, si vous voulez. Donc on clique ici sur ce lien, et quand c'est pas rempli, en fait, ici c'est rempli de numéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bon, c'est pas dans cet endroit-là, mais il y a plein de chiffres. S'il y a des chiffres, ça veut dire qu'ici, c'est pas rempli. Donc, on clique ici pour remplir. Et là, vous voyez, ce que j'ai rempli ici va apparaître ici. Ça veut dire que si je mets ça sur une carte de visite, ça donne le chemin exact de ma page. Le but du jeu, c'est d'avoir des personnes qui aiment votre page pour être visible. Donc là, aujourd'hui, j'ai 1016 j'aime sur ma page. Plus vous avez des j'aime, et plus vous êtes présent dans, et plus vous êtes visible dans le fil d'actualité. Ok. Donc en fait, si je retourne en arrière, c'est pas qu'on va à la course des j'aime, c'est qu'il faut avoir des j'aime, un nombre de j'aime cohérent par rapport à votre entreprise. Moi, avoir 33 millions ou 33 000 j'aime, ça serait bizarre en tant que travailleur indépendant. Donc, ça ne serait pas un réel intérêt.
On travaille, si c'est possible, sur l'affect. Là, donc, des étudiants qui ont passé leur examen et qui l'ont réussi. Donc, ça, je le mets. Écrire, c'est le même processus que sur la page perso. Donc, là, on est dans la page pro. La différence, c'est que là, j'ai pas d'amis. Vous avez vu, là, j'ai zéro ami. Néanmoins, j'ai à la place le bouton j'aime. Grâce à ce bouton, en fait, les gens vont arriver là, vous cliquez sur j'aime et ça vous fait des j'aime supplémentaires. On poste des informations en rapport avec votre métier et qui pouvaient intéresser les autres. Comment on poste? On met un lien d'un site internet ou on met un texte. Le lien, il est ici. Et surtout, vous mettez hashtag 1, le nom. Hashtag 2, l'entreprise. Hashtag 3, le thème de ce que vous voulez poster. Ces trois hashtags vont vous permettre d'être bien mieux placé que les autres. Là, j'ai une petite notification. Donc, j'ai un monsieur, je ne sais pas qui c'est, qui a cliqué sur j'aime sur ma page. Ça fait que j'ai maintenant 1016 ou 1017. En supposant que j'ai plein d'amis, donc on a remarqué que sur ma page perso, j'ai 1000 amis. Ben, pourquoi je ne vais pas les exploiter? Je vais cliquer sur les trois points qui sont ici. Puis je vais descendre la souris. Je vais cliquer sur inviter des souris, pardon, des amis. Et en fait, je vais inviter des amis à aimer ma page. Donc je vais tout sélectionner. J'en ai 6 sur mes 1000. J'en ai 6 qui n'ont pas encore cliqué sur j'aime. Donc je vais les inviter à cliquer sur ma page. Et hop, je vais tout en bas là. Et envoyer les invitations. Donc là, je viens d'envoyer 6 invitations à des personnes pour aimer ma page. Le ratio des gens qui le font est de 6 sur 10. Ça fait que sur 10 personnes à qui j'invite, j'en ai 6 qui vont aimer les pages. Les 4 autres, c'est parce que soit ils ne se connectent pas, soit ils ne savent pas ce que c'est, donc ils flippent. Et ça veut dire quoi? J'ai 1000 amis, et ben ça veut dire que je vais me retrouver avec 600 j'aime d'un coup. Vous voyez tout l'intérêt d'avoir beaucoup d'amis, entre guillemets, quand c'est du boulot. On se sert encore une fois des amis que vous avez ici comme d'une page pro. D'accord? Ensuite, on peut faire tout à fait du direct aussi ici. C'est exactement la même chose. Donc si je crée une publication, je peux faire un direct. Donc le direct ici, ça se fait comme ça. Boum. Je mets un titre. Je fais connexion. Là, je ne le fais pas parce que ça va se faire en vrai. Et tous les gens pourront être actifs et mettre des commentaires, cliquer sur j'aime, etc., etc. Là, si je communique à partir de ma page pro, toutes les vidéos en direct seront publiques. En revanche, si je passe par ma page perso, je peux verrouiller mes vidéos en direct juste que pour mes amis ou que pour un groupe. Par défaut, encore une fois, si je passe par ma page pro, là, c'est tout le monde voit ma vidéo. Après, c'est probablement ce que l'on veut, hein, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Quand on fabrique la page pro, l'erreur à pas commettre, c'est de ne pas remplir la partie à propos encore une fois. Dans la partie à propos, si je clique dessus, elle se trouve pam, 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 ici. À propos. Et donc dans la partie à propos, l'idéal, c'est de mettre une adresse. Si vous ne mettez pas d'adresse, vous avez des avis qui ne se déclenchent pas. Les avis ici. Moi, les avis, c'est grâce aux avis que je travaille. Parce que tous les gens qui ne me connaissent pas, qui me font embaucher, ils vont voir les avis. Et là, comme c'est des vrais avis, c'est pas un copier-coller d'un email qu'on vous envoyait. On peut aller voir les personnes, etc. Il y en a tous les avis, tatati, tatata, qui apparaissent. Donc là, je crois une centaine, voilà. D'avis plus récents, machin, tatati. Donc, on a un certain nombre d'avis. Et avec ce que les gens ont mis, avec la moyenne des avis sur 5. Si vous n'avez pas 5, c'est pas grave. En fait, parce que 5, ça veut dire qu'il y a un truc qui merde. Celui qui a 5, il est parfait. Ça n'existe pas, les gens parfaits. Enfin, je pense pas. Tout dans le travail, il y a des jours bah, où vous avez la tête dans le cul. Il y a un jour où vous avez. Oh putain, je suis en train de filmer. Il y a un jour où vous êtes engueulé avec votre femme, un jour il y a votre boss qui vous a fait chier, et ben vous retrouvez, vous n'êtes pas en forme. Donc c'est normal de ne pas être tout le temps, 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 tout le temps au top, en fait. Voilà.
Donc ça, c'est important. La partie à propos, je clique. Donc pensez à remplir l'adresse de l'entreprise. C'est hyper important, l'adresse de l'entreprise. Ça justifie, en fait, ça prouve plutôt à Facebook que vous êtes une vraie entreprise parce que vous avez mis une adresse, en fait. Il doit apparaître comme une carte de visite, l'adresse et le téléphone de l'entreprise. De toute façon, si je vais sur monentreprise.com, si je vais dans la mention légale, l'entreprise va y être inscrite, quoi qu'il arrive, dans un site professionnel. Ici, il y a un petit bouton qui s'appelle l'histoire qu'il faut remplir, c'est le storytelling de votre entreprise, c'est bien de le mettre avec une petite photo. Ensuite, remplissez les catégories, le nom du compte et le maximum d'informations supplémentaires, votre site internet, etc. Plus vous remplissez les informations, et plus Facebook va vous prendre en compte et va vous mettre devant. En effet, tout ce que vous mettez, ça va l'intéresser parce que, comment je peux dire, vu qu'il sait tout sur vous, il peut vous exploiter. C'est pas gratuit. On dit bien derrière, il y a un effet qui se coule. Donc, comme il sait exactement ce que vous faites, quand je dis qu'il peut vous exploiter, c'est qu'il peut vous fournir des informations qui correspondent à votre profil. Donc, plus vous faites ça, plus vous êtes transparent et plus vous êtes devant, tout ce que vous faites seront devant. Plus vous êtes privé et moins on vous verra, ce qui est un peu logique.